Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve dans mon atelier pour tester un petit couteau de chez Opinel, l'Opinel numéro 9 bricolage. Alors une lame robuste, hein, dotée d'un coupe-fil diamètre 5 mm maxi, d'un dénudeur pardon, diamètre 8 mm maxi, un manche comportant deux embouts de tournevis qui s'enclenche magnétiquement dans le talon, donc ça c'est intéressant, longueur 8 cm, je regarde mon prompteur en même temps. Pour l'acier, on est sur de l'acier 12C27 modifié Sandvik, mis au point par Opinel, a priori capable de subir un traitement thermique qui lui donne sa bonne dureté et appelé martensitique. Il a une teneur en carbone au moins égale à 0,40%, ce qui lui permet d'obtenir un tranchant très satisfaisant sans être sensible à la corrosion. Le manche, on est sur du polyamide chargé en fibre de verre qui garantit une excellente résistance au choc, à l'eau, etc. Deux embouts standards. Ici le plat, comme vous pouvez le voir, qui est assez petit, 4 mm, et un tournevis cruciforme pour les vis de 3,5 à 5 mm, et toujours cette fameuse virole qu'on connaît évidemment sur les Opinel, qui permet de le transporter de manière sécurisée et évidemment de également, une fois ouvert, de venir ici bloquer la lame. Alors couteau voilà, qui peut être assez intéressant. On est sur une gamme de prix qui est intéressante aussi, puisque là on est sur un couteau qui coûte une quinzaine d'euros. Alors moi évidemment je bricole beaucoup et j'ai toujours besoin d'une lame, que ce soit pour ouvrir des paquets, pour travailler un petit peu de bois. Je travaille surtout le bois, et c'est vrai que quand on voit ce couteau, on pense plutôt à un couteau de je dirais d'électricien par rapport à ça, justement au dénud de câble, mais évidemment il va pas être cantonné uniquement à ça. Alors je l'ai pris en jaune, il existe en plein de coloris, je l'ai pris en jaune puisque c'est évidemment hyper visuel, voilà, quand on bricole on a besoin de voir ses outils. Un petit trou à l'arrière ici, on va pouvoir mettre une petite dragonne si on le souhaite. Donc on va un petit peu tester cet engin. Alors première chose qui est intéressante ici, ça tient extrêmement bien, hein, les portes en bout. Donc il suffit de venir ici le faire glisser et de le mettre ici. Donc c'est aimanté, donc ça évidemment c'est pratique puisqu'on va pouvoir visser avec la tête en bas. Ce sont des embouts standards, donc ça va permettre justement de placer les embouts qui vous intéressent ou de prendre d'autres embouts avec vous pour pouvoir évidemment être le plus pertinent possible dans votre utilisation. C'était moi le petit son. Ici au niveau de la lame, on va évidemment tester la lame. Donc vous voyez qu'il n'y a plus grand chose au niveau du tranchant, hein. Je vais vous le comparer tout à l'heure avec un Opinel numéro 9 classique et ces deux petits embouts qu'on va évidemment également tester. Alors je vous compare rapidement, donc là on est sur le numéro 9 bricolage, n'est-ce pas? Là on est sur le numéro 8. Puisque le 9 pour l'instant il n'est pas disponible, je suis en train de bosser dessus, donc il est en train de sécher. Mais voilà, juste pour vous montrer à titre d'exemple, voilà le numéro 9. Voilà, vous voyez la différence de taille. Sur un 10, alors j'en ai un là, on sera encore évidemment beaucoup plus grand. Et voilà, donc il est légèrement plus petit quand même que le numéro 9 classique. Et évidemment, vous voyez au niveau du tranchant, on se rapproche, en termes de taille de lame en tout cas, du numéro 8. Alors je vous montre juste celui que j'utilise moi d'habitude en bricolage. C'était un bird. Voilà, un petit bird que j'ai tout le temps, vous voyez l'étain. D'ailleurs j'ai cassé la pointe sur une fausse manip, j'ai glissé et puis voilà, j'ai cassé la pointe. Finalement j'ai laissé comme ça parce qu'elle m'a servi 2-3 fois à l'utiliser comme tournevis. J'ai évidemment un tout petit peu plus de lame ici, mais voyez, en lame utile j'avais pas beaucoup plus, hein, même imaginez que la pointe est arrivée jusque là, j'avais pas beaucoup de lame lisse en tout cas, j'en avais pas beaucoup plus que ça, mais évidemment j'avais les serrations, donc il m'a énormément servi. Le gros avantage évidemment, que j'avais un clip ceinture et que je pouvais l'ouvrir d'une main, alors que là vous verrez que ça sera un peu plus difficile. Alors pour l'ouverture évidemment, deux mains, hein, nécessaire. Alors vous voyez que ça dépasse un petit peu, donc on arrive à l'attraper ici avec les deux doigts, on n'est pas obligé d'attraper l'onglet. C'est dommage qu'ils aient pas fait quelque chose qui dépasse un peu plus, parce qu'il y a encore de la place dans le manche, donc on aurait très bien pu avoir une lame qui remonte comme ça, voilà, qui aurait été beaucoup plus facile ici à venir attraper avec vraiment deux mains ici, surtout quand on a les mains occupées à bricoler. C'est intéressant de pouvoir, alors on va pouvoir le faire, hein, ici, mais voilà, c'est un peu plus compliqué évidemment, mais voilà, on y arrive beaucoup moins rapidement qu'avec un autre système évidemment. Mais imaginez, vous êtes en haut d'une échelle, vous tenez à l'échelle, voilà, bon, c'est le côté qui est un tout petit peu moins pratique. Bon, maintenant c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais
Évidemment, là, on aura besoin de ces deux mains. Alors, au niveau de la lame, c'est assez intéressant qu'il y ait cette pointe qui redescende, puisque justement, quand on bricole, on a des paquets à ouvrir, on a du matos qui arrive, on a des grandes bâches à couper. Donc là, évidemment, c'est pas mal. On va pouvoir l'utiliser un peu façon cutter ici. C'est extrêmement costaud. C'est beaucoup plus costaud, évidemment, qu'un cutter. On a beaucoup moins de chances de casser la lame là-dessus. Alors, mis à part l'ouverture des paquets, parfois il m'arrive de travailler du bois et de devoir enlever un petit morceau, de ne pas avoir à sortir la grosse machine, etc. et travailler juste avec ça. Donc là, évidemment, on va avoir une bonne pénétration. Vous voyez, ça, c'est pas de souci, mais parfois on a besoin juste de retailler. Alors évidemment, on a ce bras de levier puisque le tranchant arrive là. Donc évidemment, je suis pas aussi confortable que si j'étais là. Maintenant, ce fameux découpe câble, on va dire, il va être assez intéressant justement, moi en tout cas, pour ici, pour faire un petit peu des chanfreins. Parce que là, ça me permet justement de venir ici, de venir faire ça simplement. Et là, je vais complètement arrondir mon angle du bois. Et ensuite, je viendrai juste ici poncer. Donc ça, pour moi, par exemple, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors pour le câble, on va essayer du coup avec le plus gros que j'ai trouvé, hein. Vous voyez que là, hop, on va venir faire ça, on va travailler autour. Là, l'idée pour moi, là, d'abord, c'est d'enlever justement la gaine. Non, ça, je l'ai presque coupé. Hop. Voilà, donc là, on va dire que ça marche plutôt bien. Pour une plus petite section ici. Voilà, j'ai tourné autour. Alors ça, d'habitude, je le faisais avec la petite lame du couteau suisse. Hop. Alors là, c'est un peu plus délicat, évidemment, puisque... Hop. A peur d'appuyer trop, de se couper les doigts avec ou de couper le fil même. Voilà. Et voilà, donc ça, franchement, ça marche pas mal du tout. Maintenant, on va voir évidemment si j'avais besoin de couper ce câble parce qu'il était trop long. Donc on va essayer justement avec le deuxième d'ailleurs, hein. Je vais essayer d'être sur le deuxième. Donc là, voilà. Sans souci, hein, j'ai pas eu à forcer plus que ça. Là, j'essaye le premier, l'arrondi. Voilà, par contre, je tiens un peu mal le câble, j'ai plus beaucoup de place. Un peu plus délicat. Donc évidemment, c'est quelque chose que je pourrais faire avec la grande lame. Voilà, sans problème aussi. Donc là, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage d'avoir mis les deux, parce que bon, on va voir sur du plastique. Bon, celui-là aurait été assez efficace. Voilà, franchement, ça fonctionne très très bien. Hein, donc je suis assez content. On va refaire un petit tour ici là. Tac tac tac. Voilà, c'est moins évident vu qu'il est mou maintenant. Ben bon voilà, il suffit vraiment de tourner ici autour pour venir découper le plastique. Donc ça, franchement, pas mal du tout. On va essayer sur du Cerflex. Donc c'est du Cerflex qui est assez costaud déjà, hein. Et puis là, je vais tester avec. Donc là, évidemment, je vais essayer de le choper comme ça, hein, forcément, pour un maximum d'efficacité. Hop, c'est pas évident par contre. Que dalle. Non, vraiment pas. Bon voilà, on va mieux utiliser la lame principale. Alors c'est peut-être un peu gros, hein. J'ai peut-être vu un peu gros. Alors je vais essayer avec l'arrondi justement là, avec le côté arrondi. Mais là, voilà, ça fonctionne à force de jouer avec. Mais c'est vrai que là, on est un peu limité. Hein. Il faudrait du un peu plus petit, hein. Ou alors on utilise la lame. Avec la lame, vous voyez, ça va très bien. Il n'y a pas de souci. Je pense que je pourrais même essayer de le doubler. Attends, j'ai des petits bouts trop petits. Je vais essayer de les tenir quand même. J'en ai deux. Voilà, sans problème, sans souci. Bon, là, pareil, hein, coupe à plat, hein, comme je vous le disais. Sur de la gaine. Oh, il n'y a pas de souci, hein. Franchement. Là, zéro souci. Là, pareil, sur mon bout de plastique. Appuyer un peu plus fort là quand même, c'est un peu plus difficile. Voilà. Là je force pas mal quand même, hein. Voilà. Bon, on sent qu'on a quand même
assez bien en main qu'on peut quand même appuyer dessus assez fortement. Donc ça, c'est vraiment pas un souci. Je vous le disais là dans le bois, juste pour vous ayez une idée. Voilà, imaginez hein, qu'on ait besoin. Ici, regardez. Alors, c'est du pain. Voilà. Sans souci. Pénètre vraiment super bien dans le bois. Juste ce petit bras de levier, mais voilà. On est sur un couteau de dépannage, hein. On est sur du bricolage. Hein. On est bien d'accord. Hein. Mais voilà, si j'avais besoin de faire un petit embout là. Là, on peut très bien venir ici le tenir là. On a toujours cette force de tranchant, ouais, c'est dingue. C'est assez. Voilà, c'est vraiment une coupe en force, hein, mais regardez. Honnêtement, c'est hyper efficace là. Sans déconner, hyper efficace. Je vais m'essayer là, en tapotant au-dessus là, juste au-dessus de la lame. Sans souci. On a des brutasses hein, quand on bricole, hein, forcément. Mais là, franchement, il m'épate assez bien. Il me plaît de plus en plus celui-ci. Au début, évidemment, j'avais la tendance à me dire, ouais, bon putain, franchement, la lame, elle est un peu courte. C'est vrai que comme je vous le disais, hein, un truc comme ça aurait suffi. Celui-là, j'en suis pas convaincu plus que ça. Parce que si j'ai de la ficelle à couper, bon, je peux le faire avec ça, évidemment, mais je peux le faire très bien avec ça. Et voilà, ça vraiment. Je vois pas véritablement l'intérêt de ce deuxième système. C'est un couteau, on peut lui mettre dans la gueule quand même. On sent quand même qu'on a quelque chose d'assez solide. Hein, beaucoup plus solide qu'un opinel classique. Hein. Alors c'est marrant parce que là, j'avais comparé justement avec la lame. On n'a pas une grosse différence d'épaisseur de lame. Ouais, le tranchant est redoutable. Ouais, une petite vis à placer rapidement. Hein. Je vais un peu l'enfoncer là. Là, j'ai pas peur pour le manche, ça va tenir forcément. Hop, je sors mon petit embout qui va bien. Là, c'est assez bien parce que je me cale vraiment là-dessus. Donc, si je veux un peu forcer, je vais pouvoir le faire. Et puis après, je peux tourner le manche sur lui-même. C'est très bien axé. Hein. Ça aurait pu être désaxé et puis être désagréable. Mais là, voilà, on le sent bien. On est dans l'axe. Voilà, c'est juste là, cette partie qui est pas hyper agréable. Mais encore une fois, ça reste du dépannage. Hein. C'est vrai que ça va très très bien. Et hop, on a fini, on va venir ranger ici l'embout rapidement là-dedans. Et ça, pareil, ça tient extrêmement bien. Alors, je dis ça, le truc qui part. Ah, voilà, c'est moi qui l'ai mal mis. Quand je bricole, je bricole aussi dans le jardin. Donc, j'ai parfois des petites coupes à faire. Donc, on va essayer d'aller en faire. Parce que, voilà, j'ai un petit multipliant qui dépasse. J'ai pas envie d'aller chercher le sécateur. Je coupe juste avec ça. Voilà, quelques petites branches qui peuvent gêner. Voilà, où j'ai besoin d'un couteau parce que c'est une branche un peu costaud. Ben, on va aller voir ça. Mais je pense qu'il en est complètement capable.
peut aussi évidemment utiliser la pointe, qui est quand même assez costaud, hein. Il reste quand même pas mal de matière. Justement parce qu'on a envie de commencer un petit trou, parce que alors je vais peut-être. Voilà. Ça peut m'aider par exemple à enfoncer une vis ici dans du bois. Voilà, ça marche très bien. Ça reste assez costaud quand même. Là, je fais un peu le bourrin avec. Hein. Voilà, je force pas non plus, hein, mais voilà, ça a pas l'air de bouger plus que ça, quoi, hein, évidemment. Alors ça m'intéresse d'essayer de couper ça. Vous savez, c'est le faux gazon, donc c'est assez costaud. Bon, j'avais pas pris de cutter, j'ai pris un soc trident pour le faire. Je vous présenterai d'ailleurs ce couteau. Et là. Ok, sans souci. Alors là, évidemment, c'est une coupe qui est assez facile, hein, parce que c'est à plat. Mais c'est vrai que moi, ça remontait et je devais la couper, le couper comme ça. Donc je vais me mettre dans la même configuration que si j'avais à le faire comme ça. Alors, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Tac, voilà. Maintenant, je vous dis le seul petit truc au niveau de la coupe, c'est effectivement quand on a une grande bâche, un truc à couper, on va toujours essayer de venir chercher le plus proche de la lame ici. Et on est vite coincé avec ça. Ou alors si on commence à couper un gros carton, l'autre jour voilà, je l'ai utilisé pour couper un gros carton, donc ça allait, et à partir du moment où je me suis enfoncé trop, bah, j'étais bloqué par ça. Voilà, c'est vraiment un petit détail. Si j'avais que des gros cartons à couper, j'utiliserais une lame qui va évidemment jusqu'au bout. Mais bon, là voilà. Pas de soucis, hein, on peut s'amuser à prendre 2-3 épaisseurs. Je vais pas trop le faire, je vais me foutre du bordel partout. Bon, c'est déjà assez le bordel comme ça. Ça va pas changer grand chose. Hop, la virole toujours, on la resserre de temps en temps, parce qu'à l'utilisation effectivement. Vous avez vu, j'ai fait un peu de mini bâtonnage avec, évidemment on n'a pas le poids. C'est vraiment, si j'avais eu que ça, c'était pour forcer sur une petite branche. Mais vous voyez, dans du bois, le bois qu'on va travailler, même ici du bois type bois de palette. Alors, regardez l'efficacité du truc, quoi. Cette prise en main hyper forte, pareil à l'envers. Hein. Si je venais ici l'utiliser à l'envers. Sans souci. Bah toujours ce petit bras de levier, évidemment, hein, je sens que j'ai moins de puissance, mais avec le tranchant que ça a, voilà, c'est pas trop dérangeant. Et je vous dis, ce petit truc là, ce petit arrondi, moi, qui me va très bien ici, justement pour adoucir ici mes angles, ça c'est nickel, et je pense que je vais vraiment m'en servir aussi en tout cas pour ça. Alors ce qui est intéressant ici pour les coupes à plat, c'est que j'ai quand même une petite courbure là, donc j'ai pas les doigts qui sont coincés même sur un petit élément comme ça. Oh, je pense jamais à le verrouiller, ça c'est bête par contre. Ouais, je suis pas bloqué ici avec mes doigts. Je vais dézoomer un petit peu pour vous expliquer ça. Voilà, je suis pas en appui ici sur mes doigts, j'arrive très bien à remonter ici, j'ai assez de marge. Bon, ça je pourrais faire toute la journée. Hein. On s'imagine bien que ça coupe. Ça coupe au top. Ah, donc là, juste pour vous montrer, là je suis un peu trop gros au niveau de la ficelle. Donc là je suis dedans, mais voilà, je suis obligé de tourner avec. Donc là évidemment, j'utiliserai la lame principale pour ce genre de petites choses. Et pour conclure sur ce couteau, on va pas faire 2 heures, mais quand même j'avais vraiment envie de le tester. Et puis ça fait quelques jours que je le teste. Ça se lave assez bien, parce que vous voyez qu'il devient un petit peu plus noir. Enfin un peu plus sale, évidemment, quand on bricole on a les mains sales. Donc je le trouve, alors pour ce rapport qualité-prix, on a ce tranchant quand même Opinel, qui sera un peu moins fin qu'un Opinel classique, ok, mais pour ce qu'on va faire avec, ça va aller très très bien. Vous avez vu que j'ai pu attaquer du bois, hein, j'ai pu couper tout et n'importe quoi. Il y a ce petit bras de levier, effectivement, puisque la lame est un peu plus loin, mais j'arrive quand même à me débrouiller. J'ai une très bonne prise en main, évidemment, comme sur tous les Opinel, puisque c'est arrondi, donc même sur des coupes fortes à l'envers, ça pose pas de soucis. Si je pousse ici, ça pose pas de soucis, et je suis vraiment sur quelque chose d'assez solide. Alors moins ici, évidemment,
Hein, vous voyez que ça bouge un petit peu, on reste sur un pliant, mais tout ce qui est coupe vraiment, même en force dans ce sens, on sent que c'est quand même hyper, hyper solidaire. Et évidemment, ça, il faut avoir le réflexe de le mettre. Hein. Moi, souvent, j'oublie de le mettre, donc je me fais un peu avoir. Hop, le truc, il vient un peu par là. Je me dis, merde, allez, je viens de le refaire ici. Je lui ai dit une lame un poil plus longue, mais vous avez vu qu'en dépannage, ça va très bien. Hein. Je ne ferais pas beaucoup plus, même si j'avais 1 ou 2 cm de plus. Alors qu'au début, je pensais à ça. Je me disais, bah, c'est bête qu'il n'y ait pas une lame un peu plus grande, mais à l'usage, franchement, allez, ça va. Ça aurait été bien ici, et celui-là, l'oublier carrément. Les embouts, c'est très, très bien. Ça marche bien, ça s'intègre bien. Donc allez, franchement, rapport qualité-prix, ça peut être une super idée cadeau pour un bricoleur, hein, quelqu'un qui n'est pas forcément passionné des couteaux, etc. Ça va forcément lui rendre service. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce couteau, bah, sur le site même d'Opinel, hein, qui doit évidemment le proposer. Je vous le disais en plusieurs coloris. On est sur 75 grammes, ça je vous l'avais pas dit. Donc voilà, ça reste léger. Ça c'est extrêmement costaud. Hein, j'en ai d'autres, hein, ça bouge absolument pas. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt, c'était Chris R. Jones, bye bye.